Bonsoir à tous et bienvenue à votre dernier numéro de la semaine du débrief de l'actu. Et comme tous les lundis et vendredis surtout, puisque nous y sommes, eh bien on parle de sport sur Canal International. L'actualité majeure, vous le savez, c'est la Coupe du Cameroun et la finale de cette édition 2022 tant attendue entre le Coton Sport de Garoua et Bamboutos de Bouda. On va également parler en quelques mots du bilan de la prestation des Lions, des notables du Cameroun du côté de l'Asie contre la Corée du Sud et la formation de l'Ouzbékistan. Mais le menu majeur, c'est la Coupe du Cameroun place au football local avec donc le ton qui monte dans les deux côtés, dans les QG, les supporters et autres. On pourra vous montrer les images dans la ville de Yaoundé où nous sommes pour produire cette émission en direct. Nous sommes dans la capitale et dans cette capitale, il y a deux couleurs. Bleu-rouge pour Bamboutos et les deux autres couleurs, vert-blanc pour le Coton Sport de Garoua. Qui va l'emporter ce dimanche pour cette autre finale de la Coupe du Cameroun? Réponse au soir, dimanche justement, mais nous sommes ce soir pour donner justement l'avant-goût, parler des prestations de ces joueurs, du parcours de ces deux formations, de ce qui nous attend sur le terrain. La 11 probable, c'est ici et nulle part ailleurs. Je m'en vais vous présenter le panel ce soir avec des expatriés sur le volet. Tout d'abord, à ma gauche, ancien entraîneur du Coton Sport de Garoua, certes, mais c'est un ancien lion indomptable et surtout sélectionneur des Lions de moins de 15 ans depuis quelques jours. Seulement, Bertin Ebolette avec nous. Bonsoir, Bertin. Bonsoir. Bienvenue. Merci à vous. D'accord. Salut à vos nombreux téléspectateurs. D'accord. Autre invité ce soir, à ma droite, cette fois-ci, c'est un ancien aussi du championnat camerounais, mais beaucoup plus sous la couleur des Bambara du Nord. On va présenter Sébastien Diana Kana qui est avec nous, qu'on a perdu de vue depuis pas mal d'années maintenant. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Marc. Bonsoir. Comment vous allez Sébastien? Je vais bien. Bonsoir au panel et bonsoir aux chers téléspectateurs. Ah, je ne sais pas si beaucoup de furieux du championnat camerounais reconnaissent ce visage. Eh bien, ancien latéral gauche du grand Coton Sport de Garoua. Ça vous fait quoi de retrouver ce club en finale de Coupe du Cameroun à la veille de remporter le doublé? La dernière fois, c'était en 2014. Ça fait déjà 8 ans que Coton Sport n'a pu rééditer cet exploit. Vous voyez, depuis un certain temps aussi, le club n'a pas été vraiment stable. Mais depuis que le coach Amman est revenu, lui qui connaît un peu bien la maison, je crois que les choses sont redevenues un peu beaucoup plus recadrées. Mmh. Bon, ils sont en finale. J'espère qu'ils vont la gagner. Comme on dit toujours, les finales, on ne les joue pas et on les gagne. Ouais, justement. Troisième et dernier invité, lui, c'est un habituel consultant sur les plateaux de foot. Vous le connaissez, c'est Billy Outo. C'est l'encyclopédie championnat camerounais, surtout sur le football local. Vous avez trop parlé de football européen, oh Cristiano Ronaldo, tout ça. Nous, on a des Cristiano dans le championnat camerounais. Et lui, c'est comment rapidement s'en souvenir. Bonsoir, Billy. Bonsoir, Marc, et bonsoir à tout le monde. Justement, ça fait pareil, c'est vrai, parce qu'il y a le mercato du championnat camerounais. Je me souviens, quand je faisais mes premiers pas, on me faisait le mercato du championnat camerounais de gauche à droite. Et vous étiez un pilier parce que vous connaissiez si tel joueur de Côte Tanon est allé à Bamboutos et autres. Des choses qu'on voit sur d'autres chaînes, mais ici, ça se passe un peu, on va dire quoi, en cachette. Mais depuis 2 ans maintenant, on parle déjà un peu de mercato camerounais, ça veut dire que les choses évoluent. Les choses évoluent, mais c'est toujours difficile. Ouais. La preuve, c'est que pour préparer cette émission, nous avons réellement du mal à savoir qui est venu, qui a bougé. Qui a bougé, nous savons, mais qui est venu de côté de Bamboutos, comment ça se passe, c'est vraiment difficile. Donc c'est vrai que les dirigeants du club commencent déjà à ouvrir les portes, mais il faudrait qu'ils le fassent beaucoup plus, parce que si vous plaignez de ce que nous ne faisons pas tout pour rendre reluisant l'image du football camerounais. Et c'est aussi parce que vous ne nous donnez pas accès à l'information. Parce que celui qui veut regarder des émissions spécialisées ne voudrait pas toujours savoir qui est le président du club, qui est l'entraîneur. C'est important, mais il voudrait aussi savoir qui est le joueur, qui a été recruté, quel est le 11 entrant de l'entraîneur Bertin Ebouélé, qui a marqué un but à la 40e minute, qui a marqué le pénalty, comment se sont déroulées les séances d'entraînement, comment vous faites pour préparer la rencontre, quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, ce qui se passe à l'extérieur, qu'ils nous permettent aussi de faire ça ici chez nous. Ouais, justement, vous faites bien de le dire, parce que nous avons eu accès à Coton Sport de Garoua. Tout à l'heure, on aura les images de la séance d'entraînement de ce vendredi au stade annexe 2 de Yaoundé. On a même eu des réactions avant cette finale, à deux jours de la finale. Mais côté Bamboutos, l'équipe vient seulement d'arriver dans la capitale pour cette finale. Mais même avant ça, c'est l'omerta, c'est vraiment cadenassé côté Bamboutos. Même pour avoir seulement la simple information de quels joueurs sont arrivés à Bamboutos de Boudet, eh bien c'est la mer à boire. On a 52 minutes
pour en parler. Vous aurez l'occasion de vérifier cela. Ne dites pas qu'un camp a pesé pour un autre, parce qu'on se bat pour donner des informations. Des deux côtés, ne vous faites pas ce procès. Surtout les supporters de Bambuto, sa dernière fois, m'avait arrêté à Bouddha. Vous avez dit que Marchand ne donne pas trop les infos sur Bambuto, c'est autre. Je vais donner les infos, mais de demander à vos chefs, à vos présidents d'équipe, d'ouvrir pour qu'on puisse prendre des informations oui, et mettre que, à disposition du public. Parce que quand on se prend un site officiel... Ils ont une page Facebook, ils ont un Twitter. Et en plus, ils sont accessibles sur le terrain. Voilà. Et avant les rencontres, très souvent, ils envoient le 11 entrant. Mmh. Mais contrairement à d'autres équipes, c'est pas facile. Quand on se trouve, vous avez le numéro du chargé de la cellule du département COM qui vous donne toutes les informations. Mais ailleurs, ce n'est pas toujours évident. Le canon a essayé de grandir cette année avec une page Facebook, une page Internet, une page sur Twitter aussi. Mmh. Et avant chaque rencontre, ils donnent des 11 entrants. Ça nous permet réellement de travailler dessus, de faire des projections et des analyses. L'Union des Douala l'a fait, l'Union des Douala le fait régulièrement. Il faudrait aussi que les autres clubs essaient de suivre. Se mettre à la page. Ça, c'est aussi l'un des gros travaux, des gros chantiers de la Fédération Camerounaise de football, non, Bertin Ebollet, sur la digitalisation des clubs, la communication, mettre à disposition les informations. Ce n'est pas toujours pour vous faire mal. Il faut donner l'info, au moins pour qu'on puisse nourrir les supporters. Ils doivent savoir qui viennent voir au stade. Tout à fait, il faut vraiment faire vivre l'équipe. Et pour que l'équipe vive, c'est les informations actualisées, qui est arrivé, qui part. Quel est le meilleur supporter de l'équipe, etc. Il faut animer nos clubs pour que davantage l'ambiance soit de plus en plus élevée et que sur le terrain, les joueurs essayent d'épouser cette attitude et livrer un bon spectacle. Alors, le thème majeur ce soir, vous l'avez compris, c'est déjà à l'image. Coton Sport de Garoua et Bambutos de Bouddha peuvent-ils nous offrir une finale de qualité? C'est la grosse interrogation. Ce soir, la finale se joue dimanche. Les équipes, surtout Bambuto, n'a plus joué depuis un certain bout, mais Coton Sport joue les éliminatoires de la Ligue des Champions. Il sera même encore en scène dans moins de deux semaines pour le dernier tour, avant donc la phase de groupe. À quelles équipes, justement, on aura donc droit? Faisons d'abord une incursion dans la tanière de Coton Sport de Garoua. C'était donc au stade annexe 2. Les images sont signées de Lucien Ndjakoué. Les images sont encore fraîches. Cette séance d'entraînement, on peut voir justement la bonne ambiance qui règne dans l'équipe de Coton Sport de Garoua. C'était donc au stade annexe. Vous pouvez voir qu'il y avait pas mal de supporters qui étaient au-dessus des murs pour voir ce qui se passe côté Coton Sport. La pression monte. On veut voir les stars qui vont peut-être soulever ce fameux trophée. Billy, ça fait bien de sentir que la prochaine saison est sur le point de démarrer avec cette finale de la Coupe du Cameroun comme premier match pour clôturer l'ancienne saison, mais aussi un peu pour lancer la prochaine. Effectivement, les équipes se préparent. Quand vous voyez toute la ferveur populaire qu'il y a autour, parce que c'est deux équipes quand même qui sont très, très supportées, certaines personnes se disent que Coton Sport a beaucoup de supporters seulement à Garoua. Mais je puis vous dire ici que moi, j'ai regardé plusieurs matchs à Douala et à Yaoundé. J'ai vu une rencontre Coton à PGS où Coton avait plus de supporters qu'à PGS. Donc c'est pour dire que c'est une équipe qui est très supportée, c'est très bien organisé. Il y a des supporters qui sont basés dans toutes les régions et puis on essaie de les rassembler lorsqu'il y a une équipe qui va jouer. Donc il y a plusieurs personnes à côté et puis la saison se prépare très bien. Des dirigeants ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour qu'on puisse avoir une très bonne saison qui va débuter dans 15 jours exactement. Alors, Sébastien Zanankana, vous, est-ce que depuis que vous êtes parti de Coton Sport, vous avez gardé un peu les liens avec cette équipe de prime abord? Je vais commencer par là avant d'entrer dans ce qui est plus important. Les liens, je ne peux pas dire vraiment. Quelques années après mon départ, j'ai gardé quelques liens. Mais après, quand moi-même je suis entré dans l'entraînement, je me suis beaucoup plus concentré dans mon club, quoi. Mais de temps en temps, quand même, j'ai des nouvelles, j'ai des petits que j'envoie là-bas à Nice. Oui. Vous avez été capitaine du Coton Sport de Garoua pendant combien d'années en fait? Normalement capitaine Coton pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Et en termes de titre, en tant que capitaine, vous avez déjà eu à soulever ce trophée de la Coupe du Cameroun? Oui, je l'ai soulevé 2 fois. Waouh, sacré palmarès pour Sébastien Zanankana. Alors, Zanankana, quand vous regardez le Coton Sport de Garoua d'aujourd'hui, est-ce qu'elle a fière allure? Est-ce qu'elle surpasse l'équipe de Coton de votre époque lorsque vous remportiez la Coupe du Cameroun à l'appel?
Je ne peux pas dire, vous savez, comme on dit, Génération. Les périodes sont les mêmes, ne sont pas les mêmes. Je crois que déjà, on a même soulevé une fois déjà avec le coach Ibouelet. Il était, je crois, comme superviseur envoyé par le ministère. Voilà. Pour la compétition africaine. Pour la compétition africaine. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La ferveur est toujours la même. Hein. Comme j'ai dit, les temps ne sont pas les mêmes, les périodes ne sont pas les mêmes. Je crois, aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'Auton Sport de 2008 et d'aujourd'hui, mais je crois que c'est quand même dans le même esprit, essayer de garder toujours les mêmes groupes. C'est un peu ça. Alors, quand vous regardez cette équipe jouer, est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle est plaisante? Vous avez regardé les playoffs, vous avez regardé les titres de champion du Cameroun, vous avez regardé les matchs de Ligue des Champions. Est-ce que cette équipe du Coton Sport vous parle? Est-ce qu'elle fait plaisir à voir jouer? Oui, je crois qu'avec les résultats de ces derniers moments, on va dire que c'est une équipe qui fait plaisir à avoir joué. Déjà, d'abord, ils ont fait deux tours déjà des préliminaires pour la Champions League. Ils sont qualifiés au prochain tour. Ils sont champions. Et pendant même les playoffs, vous avez vu, c'est une équipe vraiment actuellement, je ne vais pas mâcher le mot, je crois qu'actuellement c'est la meilleure. Donc je crois qu'on ne peut que les souhaiter bonne chance. D'accord, justement, on va donner la parole aux acteurs, donner la parole aux joueurs de Coton Sport de Garoua. On a vu Patient Wassou, la pépite du Coton Sport, 18 ans, attaquant de pointe, qui était même chez les Lions lors de l'avant-dernier stage. On a également Jamal Kaïba, lui aussi un milieu de terrain qui monte, et puis l'entraîneur Gabriel Amand, que vous avez connu justement, qui est devenu l'entraîneur principal de cette équipe. Tous sont au micro de Lucien Ndjako. Bon, pour ma première fois, je n'ai pas la pression. Ce n'est pas mon premier match avec le public et tout ça. Bon, on a préparé et j'espère que dimanche, avec mes coéquipiers, on va faire le bon match et on va faire tout possible pour amener ces trophées à Garoua. La pression, c'est l'office. Parce que nous sommes jeunes et c'est notre première compétition à arriver jusqu'en finale. Déjà, si on gagne dimanche, 17 ans avec 3 titres, avec autant, quand même, c'est beaucoup pour moi. L'ambiance est bonne, tout le monde est en bonne santé. Et je pense que les joueurs n'attendent que dimanche pour donner le meilleur d'eux-mêmes. On a tout le groupe au complet, du moins ceux qui étaient valide pour jouer. C'est vrai qu'on a quelques blessés qu'on avait laissés à Garoua. Ils nous ont rejoints ce matin. Et je pense que cette finale est même bien placée pour qu'on prépare ce match qualificatif pour la Ligue des Champions. Voilà donc pour Gabriel Amand. Ce match est bien placé pour préparer la Ligue des Champions. Bertrand Bollet, vous êtes entraîneur justement. Est-ce que ce type de match peut vraiment permettre à Gabriel Amand de préparer son groupe pour les échéances en Ligue des Champions et le début de saison qui arrive avec le trophée des champions et la première journée de championnat? Oui, bien sûr que oui. C'est une opportunité, une grosse opportunité. Mais c'est quand même une finale. Comment on peut décider de faire de cette finale un match pour préparer les grandes échéances? C'est quand même une finale de Coupe du Cameroun, non? Oui, justement, parce qu'ils se sentent très bien en ce moment. Et je pense qu'ils peuvent se le permettre. Ils sont au-dessus. Après le titre de champion du Cameroun, ils voient déjà le trophée entre les mains. Mais ça ne va pas être une chose aisée quand nous savons aussi que Bambutos court derrière ce trophée depuis des années. Ouais. Je crois que c'est ça qui fera le charme même de ce match qui va se disputer de manière correcte et avec beaucoup d'intensité. Et je crois que chacun doit prendre sa chance à ce match pour que le public soit vraiment servi. Un spectacle de qualité. Justement, en parlant de public, le temps monte quand même dans les QG, dans les rues de la capitale Yaoundé. Il y a les supporters qui jouent au jeu des pronostics, qui harangent les foules et autres. On sent qu'il y a une véritable ferveur à deux jours de cette fête. Des jours même avant, on voit des drapeaux bleu-rouge, blanc-vert dans la rue. Mes reporters sont allés un tout petit peu confirmer cela sur le terrain. Daniel Anissé Boudier et Michel Foucault, regardez. Oh,
Nous sommes sereins. Je crois qu'on a fait un faux pas en 2016. Mais je crois que en 2022, ça serait la bonne. Et le mouvement est là et nous sommes sereins. En 2016, Bamonto avait plus de 100 000 supporters. Donc, les 45 000 places du stade Amadou Ahidjo étaient petites pour contenir les supporters de Bamonto. Raison pour laquelle nous avons demandé le stade de Olembe pour la tenue de cet événement de la Coupe du Cameroun, de la finale de la Coupe du Cameroun. Passe, passe. De gagner 2-0 propre. Et nous sommes les fans de Coton Esport depuis 2002 qu'on supporte le Coton. Du côté supporter, on va faire une grande ambiance, on va se battre pour accompagner notre équipe, que ça se développe. Nous, on remporte le trophée, on rentre à Garoua avec. Ah, ça fait plaisir d'entendre et de voir surtout cette joie au travers des supporters des deux équipes, Sébastien Zanankana, parce que ça vous rappelle la belle époque lorsque vous veniez jouer à Yaoundé, vous veniez à la capitale, il fallait rentrer avec le trophée. On rappelle que Coton Sport va jouer sa 7e finale et on va dire que par le passé, Coton n'a perdu qu'une seule finale de Coupe du Cameroun. C'était en 1999 contre le Canon de Yaoundé. Oh, c'est toujours une ferveur, c'est toujours une grande joie. Ce sont des moments inoubliables, avec beaucoup de joie. Comme je l'ai dit, les finales, on les gagne. On ne va pas faire tout ça après, on perd. Mais comme je l'ai dit, vous avez entendu le coach Aman. Il a dit que le moral est au beau fixe, même les blessés sont là. Donc, je crois qu'il y aura une belle finale. Et en plus, ce sont je crois que ces dernières années, ce sont les deux équipes les mieux supportées dans le territoire camerounais. Justement, on aura une belle finale. On doit maintenant confirmer ça sur le terrain. Billy Outo, ça pousse les joueurs à tout donner quand on entend ce public, ces supporters donner de la voix et autres. Côté Coton, on sent beaucoup de confiance. Côté Bamboutos, on se dit qu'après le faux pas de 2016, c'est le moment d'enfin gagner un premier titre pour le club aux millions de supporters. Effectivement, lorsqu'on met assez de moyens, il faudrait gagner un titre. C'est pour ça que les supporters ont décidé de pousser. Il y a d'ailleurs des charters qui ont été organisés à Garoua. 10 000 francs aller et retour. Donc c'est des prix très abordables, surtout lorsqu'on sait que les véritables supporters, c'est des personnes de la classe moyenne. Et puis du côté de Bambuto, ce 4 000 francs aller et retour. Bouda Yaoundé, Bouda Douala Yaoundé. Donc, je crois que d'ici dimanche matin, samedi soir, les personnes vont massivement se déplacer. Ça, c'est déjà un avantage aussi parce que parfois, lorsque vous avez des finales qui se disputent entre deux équipes qui n'ont pas un très grand public, ça fait que la rencontre aussi, quelque part, elle est fade. La fête n'est pas aussi belle parce que la Coupe du Cameroun, ce n'est pas que le foot. C'est d'abord toute une fête parce que c'est une cérémonie qui clôture la saison. Donc, il faudrait déjà que le stade fasse le plein d'œufs. Et cette fois-ci, on a quand même l'avantage que derrière, il y a les supporters de Coton Sport, des supporters de Bamboutos qui vont comme ça essayer de pousser. Maintenant, sur le terrain, forcément, Bamboutos vient pour gagner. Même comme quelque part, je pense que la préparation, elle est un peu tronquée parce que si, après avoir fait toute une saison avec des joueurs cadres surtout, et que vous décidez de les limoger pour recruter de nouveaux joueurs, est-ce que vous avez réellement eu le temps de pouvoir travailler les automatismes? Ça c'est une très grande difficulté. Il y a pratiquement toute la colonne vertébrale qui a été libérée. J'espère qu'ils ne tomberont pas dans ce qui s'est passé avec New Star, je crois, en 2012, ou à la veille de la finale de la Coupe du Cameroun. Il y a eu des mésententes entre le président et les dirigeants. Voilà. Et le président a décidé qu'il ne va pas céder au chantage parce que les joueurs réclamaient des primes. Cette fois-ci, c'est pratiquement la même chose. On a accusé certains joueurs d'être des grévistes. On leur a coupé la tête. On a pris de nouveaux joueurs. Et quand ces nouveaux joueurs arrivent, est-ce que réellement ils vont apporter ce qu'il faut? C'est là où il y aura toute la difficulté parce que l'entraîneur, il a besoin de prendre le pouls. Il a besoin de l'aider à s'imprégner. Et vous jouez une finale face à une équipe qui, elle est prête.
Parce que pendant, après le match des demi-finales, qui s'est disputé, je crois, le 1er août, je pense, oui. Donc vous voyez qu'on sort de pratiquement 2 mois de période d'inertie pour Bambuto Zebouda. Même s'ils sont allés à Bagofit, à Bomba, se préparer, mais vous ne jouez que des rencontres amicales. Des rencontres amicales et des rencontres officielles, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même intensité. Les deux entraîneurs ne me diront pas le contraire. Par contre, du côté de Coton Sport de Garoua, ils ont disputé 2 rencontres en compétition africaine, 2 rencontres vraiment importantes, et que les joueurs de Coton Sport aussi, les meilleurs joueurs de Coton Sport ont régulièrement été convoqués chez les A-Prime, chez les U23, je pense à Chez Malone, je pense à Marsou, je pense à Wassou Patient. Donc les gars de Coton Sport sont d'une période où ils ont régulièrement joué, ça fait que ils seront bien physiquement, contrairement à Bambuto Zebouda, qui déjà a pris de nouveaux joueurs et qui aura un problème d'automatisme. Il pourrait aussi se poser un problème au niveau de la fraîcheur physique. Maintenant, quand sur le banc de touche, vous avez Ndoumbé Bosso, vous avez Yaro, directeur administratif, Yaro Robert, on se dit quand même que c'est des garçons qui sont rodés. Ndoumbé Bosso qui a remporté une finale en 2013, qui maîtrise un peu comment est-ce qu'il faut préparer ces garçons-là. Je pense qu'avec tous ces éléments-là, ça pourrait aider l'équipe de Bambutos, qui, comme je l'ai déjà dit, est assez diminuée, pourrait, pourquoi pas, damer le pion à Coton Sport, qui lui a beaucoup plus d'arguments pour pouvoir remporter cette rencontre. Donc, pour vous, avantage Coton. On va essayer de voir un peu ce que ça... ça donne au niveau de la composition probable qu'on pourrait donc avoir côté Coton Sport de Garoua. Est-ce qu'on peut voir justement ce 11 probable par rapport au dernier match disputé par les Coton Culteurs? Vous avez été champion du Cameroun avec le Coton Sport de Garoua, pas pour la dernière fois puisque Coton a gagné les 2 derniers titres. Mais justement, vous étiez là. Voilà, vous avez gagné 2018. Vous avez retenu le titre à Coton après une mauvaise passe. C'est vous qui avez peut-être enclenché le réveil de Coton avec le nouveau staff dirigeant et également sur le terrain. Pour voir justement cette compo probable du Coton Sport de Garoua avec dans les buts le gardien international tchadien Alain Batnan. En défense centrale, la paire Tchimalon et Enoch Baro qui joue ces derniers temps au détriment de Ali Gomu, qui a été convoqué avec la U23, mais qui était souvent titulaire. Mais depuis que Enoch Bao, l'ancien défenseur des Dinsport de l'Aleki, est arrivé, c'est lui qui joue. À droite, Boubacari, ça peut être Mamadou Hassana, ou bien à gauche, Ouzaïfi. Et puis au milieu de terrain, la jeune pépite, Jamal Kaïba, est là. Oukine, qui est le socle de cette équipe devant la défense. Et puis Jean-Éric Morsou, ou bien entre les deux, Eno Brandon, on verra tout à l'heure. Et puis devant, Patient Wassou, Marou Swaibou le capitaine, et puis en pointe Chamdou, c'est ce qui se fait. Quand vous regardez cette équipe, est-ce que vous reconnaissez un peu certains joueurs que vous n'avez pas de passé, ou bien c'est toute une équipe de Coton que vous voyez avec de nouveaux joueurs et de jeunes joueurs surtout? Oui, je dirais qu'il y a déjà 2 jeunes que je vois là qui ont démarré lorsque je suis arrivé. Je crois que c'est avec mon staff qu'ils ont été intégrés dans le Coton Sport, oui. À savoir... Swaibou, oui. et Goni, je crois qu'ils étaient encore jeunes et vraiment très frêles. Mm-hmm. Mais je pense qu'ils ont gagné vraiment des galons à travers la stabilité, la fréquence du jeu, la qualité de l'entraînement. Je crois que forcément, c'est des enfants qui progressent. Mais je pense que le Coton Sport est sur la ligne droite de cette tradition. C'est-à-dire qu'il y a la stabilité et la recherche permanente des joueurs de qualité pour que l'équipe puisse se maintenir au sommet de notre football. D'accord. Justement, pour vous, ils ont une belle progression. Mao Swaibou, Ali Goni, mais surtout le capitaine Mao Swaibou, 21 ans. En 2018, il démarrait à peine dans l'équipe de Berthe et Bohème. Aujourd'hui, c'est lui l'âme fatale de Coton Sport de Garoua pour vous, Billy Outo? Il fait partie des armes fatales parce que Coton Sport a aussi Wassou Patient, qui est le meilleur buteur de l'équipe lors du championnat. Ouais. Il a fait une très bonne saison. Après la Easter Cup, on avait quelques hésitations quant à sa capacité à pouvoir réellement s'intégrer. Surtout que Coton Sport a eu un début de championnat assez poussif, vraiment difficile. On avait quelques craintes, mais dès qu'il y a eu des réajustements, il y a eu l'entraîneur est parti, on a essayé de revoir les choses. Je crois que la mayonnaise a pris, et lorsque la mayonnaise a pris, c'était pour une fois. La preuve, c'est qu'elle a terminé championne. Donc, en dehors de Swaibou, il y a Wassou Patient qui marque beaucoup de buts. Oui. Et puis, Marc, vous savez. On va nous redonner le 11 entrants, il y a des joueurs qui ont été recrutés.
Et je, chez les A', on a joué avec une ligne d'attaque Ndolfa, qui à Coton Sport venant de Ding, Swaibou, Wassou Patient, et derrière il y avait Okine. Donc n'oublions pas que l'entraîneur peut aussi surfer là-dessus avec ce qui s'est passé chez les A'. Mmh. Parce qu'il y a des joueurs recrutés à Coton Sport de Garoua qui ont joué chez les A'. Il peut aussi s'appuyer sur cet automatisme-là pour essayer de modifier son dispositif en faisant sortir Chamdjou, en faisant passer Swaibou en attaque. Wassou peut passer sur le côté droit, et puis Ndomfa passe à gauche. Oui. Pourquoi pas aussi Harry Ako, qui vient de Bamboutos, transfuge, puisque le règlement vous permet d'utiliser ces joueurs. De jouer. Ako, qui est très revanchard, parce que pratiquement libéré par Bamboutos d'un Bouddha à la dernière minute, pourquoi pas pour être titulaire et viendrait faire beaucoup de mal à Coton Sport de Garoua. Un peu esprit revanchard, hein. À ce niveau-là, justement. Oui, je voulais ajouter quelque chose, c'est que. Oui, si on peut revoir encore le 11, oui. Oui. Pour vous, il y a au moins trois incertitudes au niveau de l'avant-centre, parce que Ndomfa, Games de Dinsport, très, oui, très bon attaquant, Wassou, oui, pas là en pointe. Oui. Au milieu, Ariako ou Eno Brandon. C'est, et derrière, oui, aussi Goni Ali, peut-être. Goni Ali, surtout parce que Goni Ali et chez Malone, à eux deux, cette défense en train n'a pris aucun but. En Coupe du Cameroun. Mmh. Ils ont joué 5 rencontres, ils n'ont pris aucun but. Justement, on va le voir, le parcours du Coton Sport, voilà. Est-ce qu'on peut l'avoir, justement ? La défense n'a pas encaissé, donc l'entraîneur peut aussi surfer là-dessus pour se dire, ok, on va, comme en Coupe du Cameroun, l'équipe a été sur une très bonne dynamique, je vais continuer avec la même défense qui m'a fait arriver jusqu'à ce niveau. Mmh. Voilà, justement, le parcours du Coton Sport de Garoua à l'image, Sébastien Zanankana, le Coton Sport a joué 5 matchs, pour arriver en finale, aucun but concédé, défense de fer et puis une attaque de feu, 11 buts inscrits. Regardez les différents adversaires du Coton Sport entrant en deuxième de finale, le club de 3e division, ci-dessus le Chiquet National, dans la région de l'Ouest, Sims voilà, de Bafoussam, pas mal, 5 buts à 0 en 16e de finale, 2-0 contre Racin de Bafoussam, club de Elie Douane, en 8e de finale, Tomsu Lausanne, club de Elie Tchou, je crois. Victoire 1 but à 0, puis contre Fortuna, club de Lidouane, 1-0, et puis en demi-finale, bat l'Union Douala en la main, 2 buts à 0, avec ce super but de Maro Swaibou qu'on avait vu au stade d'Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé. Sébastien Zanankana, parcours pour vous démentiel, archi favori Coton Sport quand on regarde ce parcours? Déjà, d'abord, vous voyez, comme on l'a dit, le Coton Sport a eu un début de saison un peu poussif. Mmh. Bon, après, quand la Coupe du Cameroun arrive, je crois qu'ils ont déjà prouvé le bon statut, le bon tempo. C'est pour ça que vous avez vu tous ces résultats après. Donc, comme on l'a dit, vous voyez, c'est avec ça, vous avez vu l'équipe est montée vraiment en puissance. Mmh. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, comme on l'a dit dans la préparation avec les matchs de Coupe d'Afrique et autres, je crois qu'ils sont archi favoris. Mmh. Justement, coach, ce parcours, est-ce que ça révèle le potentiel du Coton Sport de Garoua cette saison? Oui, évidemment. Je l'ai déjà dit tantôt, la tradition dans Coton Sport, c'est de ravir la vedette à toutes les équipes camerounaises. Ils ont le moyen pour le faire et je crois que les joueurs répondent toujours présents. Et vous ne pouvez pas arriver dans Coton et vous n'avez pas envie, cette envie d'être meilleur à votre poste, ou alors un entraîneur qui arrive n'a pas envie de gagner des titres, c'est pas possible. Il faut avoir cette envie de tout gagner et d'aller un peu plus loin. C'est une tradition qui s'est déjà installée, si bien que même les joueurs, dans tout le championnat, les joueurs n'ont qu'une seule envie, se retrouver dans Coton. Et coach, s'il te plaît, c'est pour ça que c'est une équipe, quand vous êtes un nouvel entraîneur et que vous arrivez, Coton étant une institution, on ne va pas vous donner le temps de pouvoir travailler quelque chose. Non, rapidement, on veut des résultats. Mais bien sûr, vous préparez, oui, que lorsque vous arrivez, c'est-à-dire que le titre, il faut qu'est-ce gagner, que je dois faire. Oui, il n'y a pas que des nouveaux joueurs, les joueurs sont partis, des nouveaux sont arrivés. Non, on met à ta disposition tous les moyens qu'il faut. Voilà, tous les moyens qu'il faut. Et tu dois absolument gagner. Le recrutement n'est pas fait au hasard. Mais c'est ciblé. Ciblé des joueurs. Je pensais que bon, il y a aussi les jeunes qui sont dans le centre de formation. Et ces jeunes, le coach ne va pas me démentir. Constamment, ils vont jouer les matchs avec ceux qui ne jouent pas beaucoup plus souvent le dimanche. Ils jouent les matchs soit d'évaluation, soit le samedi, soit le lundi. Donc c'est un peu. Ou avec les ligues inférieures. Donc c'est un peu. Ce qui se passe, la politique à Coton Sport de Garoua, on va parler de Bamboutos. Maintenant, alors, Billy Houto, on a essayé justement d'avoir des précisions sur Bamboutos de Bouddha. Ce que vous relevez tout à l'heure, c'est que Bamboutos
a changé de visage, au moins à 80% avec le départ de beaucoup de cadres comme Alexandre Sangue, Ariako, Sangessia, Ariako, le capitaine Moukap, aussi. Est-ce que Limaneba, le gardien qui est allé, lui qui a signé, je crois, soit c'est pas l'Union de Douala, à Renaissance. Un truc comme ça. Dans un club de Yaoundé, en tous les cas, je crois que j'ai la liste des U23 où il a signé également. Mais est-ce que ça ne pose pas plus de questions pour Coton Sport de savoir qu'ils vont jouer un Barbatos de Bouddha qui ne vont pas maîtriser du tout? Est-ce que ce paramètre-là est à prendre en compte? On nage pas dans l'inconnu là avec Barbatos de Bouddha qui change comment son effectif à la veille de ces finales? Oui, forcément, les entraîneurs de Coton auront du. Bon, ils vont déjà venir imposer leur philosophie, je pense, parce que ne sachant pas qui ils auront en face, parce que Barbatos qu'ils ont gagné par deux fois en championnat, phase aller, phase retour, ça ne va plus être la même équipe. Donc du coup, si vous voulez vous appuyer sur ce qui s'est passé lors du championnat, ça va être difficile. Bamoutou s'est préparé à Bagofi à Bamba. Et lors de la dernière rencontre amicale que l'équipe a livrée contre le Canon, c'était une équipe pratiquement remaniée à un pourcentage situé au-dessus de 50. Mmh. Donc du coup, vous ne savez pas qui est face à vous. On nous dit qu'il y a des joueurs qui viennent du Libéria, il y a des joueurs qui viennent de la Centrafrique et voilà, du Tchad. Et du Tchad. Il y a de nouveaux joueurs aussi des divisions inférieures, des championnats amateurs qui sont arrivés. Du coup, vous avez une équation qui est vraiment difficile à résoudre parce que l'inconnu, vous ne le connaissez pas. C'est une affaire assez compliquée parce qu'elle peut vous être avantageuse parce que vous connaissant Coton Sport et Coton Sport ne vous connaissant pas, vous avez l'arme qu'il faut pour détruire Coton Sport. Mais aussi, ne maîtrisant pas mieux vos joueurs parce que vous les avez eus en retard, ça peut aussi vous être préjudiciable parce que le temps réellement de les lancer dans le bain face à une équipe qui est assez expérimentée, il peut se passer que Coton Sport vienne à gagner. Donc je pense que c'est un gros risque qu'a décidé de prendre les dirigeants de Barbatos de Bouddha. Après, on attend de voir ce que ça va essayer de créer. Moi, j'ai pris le cas ici de New Star en 2012 où on a eu ce même type de situation. Je crois que c'est à l'époque des bébés King qui avait été libéré parce qu'ayant réclamé c'est leur dû. Et puis, ça a créé tout ce que ça. Le président a décidé de prendre de nouveaux joueurs. Ça a déstabilisé l'équipe. Ça a pratiquement déstabilisé l'équipe. Et contre une sport de Bafa en finale, ils ont perdu. Mais maintenant, on essayait d'avoir des infos quand même sur les forces en présence côté Barbatos de Bouddha. Mais les portes sont fermées. Bon, il y a le faux follet, le buteur qui est resté, Kemajou. Oui, Kemajou en pointe. Mais en pointe qui est resté maintenant. Pour le reste, il n'y a aucune certitude. On va essayer d'avoir un 11 probable tout à l'heure pour que les supporters de Barbatos ne nous en tiennent pas rigueur. Mais ni le coach de Barbatos, le coach Duba Bosso, ni même le team press de l'équipe. On essaye de tourner à gauche et à droite, prenez les autorisations à gauche et X, Y. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'a pas d'image de la préparation de Barbatos et du stade. Pourtant, les charters sont en train de s'organiser pour venir remplir le stade. Bon, le supporter, lui, vient supporter son équipe. Il vient supporter son équipe et il fait. Mais en 2022, on doit aussi quand même pouvoir s'attendre à voir certaines stars de l'équipe sur le terrain, non, coach Bertin Ebolin. C'est peut-être un choix stratégique pour l'équipe pour ne pas. Pour garder le silence. Pour faire ces visites-là et que quand on ne sache exactement ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on se souvient, ça peut être une arme. Mais on se souvient de 2016, déjà, Sébastien Zanankana, lorsque Barbatos jouait sa première finale de Coupe du Cameroun contre APGS Donfou. L'équipe, la veille, lorsqu'elle se préparait du côté du sud-ouest, c'était dans le camp de Ndjalankwan, à Limbé. Eh bien, il y avait eu des problèmes à la veille de la finale où des joueurs avaient été écartés. Oui, donc, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Ils ont un attaquant qui s'appelait. Oui, qui s'appelait. Son petit nom, c'était Neymar. Oui, c'était Kekambus. Kekambus, ouais, voilà. Il s'appelait Kekambus. Kekambus. Qui avait été écarté de l'équipe par le coach de Mbimi. Mbimi Gera. Et ça avait carrément déstabilisé l'équipe. Barbatos, en finale, était méconnaissant. Oui, parce que Kekambus faisait partie de ceux-là qui avaient porté l'équipe au cours de la saison. Et venu créer une cassure comme ça à la veille parce que on n'a pas voulu céder au chantage du joueur. Après, comme je le dis, c'est un risque que vous prenez. Et sur le stade, on a vu ce qui s'était passé. L'équipe était quelque part méconnaissable. Et APGS ayant gardé toujours son bloc, à l'époque, il y avait Boya, Umbouet et autres, ils avaient pu damer le pion à Barbatos de Bouddha. Ouais, justement, c'était assez compliqué. Est-ce qu'on a d'autres éléments, justement, dans
les rues de Yaoundé, dans les différents QG, peut-être pour ceux qui nous rejoignent, puisqu'il est 19h passé de 15 minutes, ici en direct de Yaoundé. Vous suivez le débrief de l'actu, et on revient justement sur cette finale de dimanche prochain à venir. Alors, regardez, pour ceux qui n'ont pas suivi tout à l'heure, les propos des joueurs et du coach du Coton Sport de Garoua à la veille de cette finale. Ils sont justement dans l'optique de pouvoir réaliser le doublé, un doublé qu'ils n'ont plus fait depuis 2014, ce qui n'arrive pas très souvent chez Coton Sport de Garoua. On réécoute encore Patient Wassou, Tiamal Kaïba et le coach Gabriel Aman. Bon, pour ma première fois, je n'ai pas la pression. C'est pas mon premier match avec le public et tout ça. Bon, on a préparé et j'espère que dimanche, avec mes coéquipiers, on va faire le bon match et on va faire tout possible pour amener ces trophées à Garoua. La pression, c'est d'office parce que nous sommes jeunes et c'est notre première compétition à arriver jusqu'en finale. Déjà, si on gagne dimanche, 17 ans avec 3 titres, avec autant, quand même, c'est beaucoup pour moi. L'ambiance est bonne, tout le monde est en bonne santé et je pense que les joueurs n'attendent que dimanche pour donner le meilleur d'eux-mêmes. On a tout le groupe au complet, du moins ceux qui étaient valides pour jouer. C'est vrai qu'on a quelques blessés qu'on avait laissés à Garoua, ils nous ont rejoints ce matin. Et je pense que cette finale est même bien placée pour qu'on prépare ce match qualificatif pour la Ligue des Champions. Voilà donc les propos du Coton Sport de Garoua. On va jeter un dernier coup d'œil sur la composition probable du Coton Sport de Garoua. Billy, jetez-vous un tout petit peu pour vous. Est-ce que ça peut être le bon 11 pour dimanche ou pour vous, le coach va faire découvrir les nouveaux comme Donfak et pourquoi pas Ariako pour les lancer dans le 11 départ de Coton Sport de Garoua pour terminer avec ce club? Bon, ça va dépendre de comment la préparation s'est déroulée. Ça va aussi dépendre de l'état de forme de ces joueurs, leur capacité à s'intégrer dans le groupe. Pour Ako, c'est quelqu'un qui évolue dans le championnat de première division, ça fait pratiquement 10 ans. Donc lui, il ne pourrait pas avoir de problème au niveau de l'intégration. Il connaît quand même assez certains joueurs de Coton Sport. Maintenant, c'est au niveau de Donfak que j'ai quelques hésitations. Ça va dépendre de son état de forme. Et je crois que si tout est OK, on va le lancer. Et puis, on parlait aussi d'une probabilité de voir Ali Goni jouer derrière avec Chez Malone. Parce que l'équipe n'ayant pas encaissé de but en Coupe du Cameroun, l'entraîneur pourrait aussi surfer sur cela pour se dire « Ok, moi je vais continuer avec ces garçons parce qu'ils savent ensemble, les automatismes sont déjà là. » Au lieu de courir le risque d'aligner un défenseur central avec qui Chez Malone n'a pas très souvent joué et éviter quelque part un risque de cohésion qui pourrait ne pas encore être à 100%. Alors, Sébastien Zalankana, pour tous les joueurs qui vont s'affronter dimanche, avec votre expérience que vous avez, comment est-ce qu'on aborde une finale? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour réaliser un grand match dans un stade qui sera archi-comble? Je crois, pour moi, je crois, comme on le dit toujours, le match ne se joue pas avant. Le match se joue à l'instant T. Dans ma nafofi. Et après, chaque joueur a sa façon de pouvoir souvent gérer la pression. J'ai un ami, je m'excuse, Nook Henry, avec qui je joue. Oui, oui. Qui, lui, la pression, parfois, elle arrivait, soit elle me frappait, donc ça dépend un peu de tout un chacun. Mais comme je l'ai dit, je suis avec Coton, c'est ce qu'il a à faire. Bon, Bamboutos, comme on le dit toujours, c'est un peu le problème de la plupart des 80% des clubs camerounais, l'instabilité. Ils ne sont pas stables. Et c'est souvent un peu gênant. Ouais, justement, on va le découvrir d'un moment à l'autre avec la compo probable de Coton Sport de Garoua, de Bamboutos de Bouddha, qu'on a essayé de faire, de trouver. Hein. À la maison, ça va beaucoup faire rire, mais on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas véritablement toutes les données puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Il y a une note qui était sortie, il y a près de 9-10 joueurs qui ont été mis à la porte, c'est-à-dire qui n'ont pas renouvelé. C'était pratiquement la colonne vertébrale de l'équipe. Le défenseur central, Ako,
et Mbappé Müller aussi. Mbappé Müller aussi qui est parti. Sangessia qui marque le but qui qualifie l'équipe Bambouchos de Bouda contre avion du Cam. Il a été libéré. Ako, voilà, donc Mouka Brostan, le capitaine, le défenseur central. Après, il y a aussi d'autres qui sont, je ne sais pas si peut-être Koupitilé encore là, je ne sais pas. Oui, Koupitilé encore de l'effectif, justement, on le voit. Voilà, donc, dans la compo probable de Bambouchos de Bouda. On a beaucoup d'interrogations dans ce 11 de départ. Oh, si le staff de Coton Sport nous suit actuellement, ils n'ont pas beaucoup de données hein, sur l'équipe de Bambouté. Ce n'est pas celui qui vont compter dans tous les cas pour avoir plus de données sur cette équipe qui a fermé vraiment les portes de l'équipe ce soir. Et même depuis le début de sa préparation, peut-être parce que par le passé, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on a cette compo probable à l'instant? Alors, Berthet Bollet, est-ce que ça vous arrive souvent de jouer des équipes où vous nagez carrément dans l'inconnu? À ce niveau, comment vous faites pour préparer votre match quand vous jouez contre une équipe dont vous n'avez pratiquement pas d'informations, ni de vidéos de préparation de match, ni rien du tout? Oui, ça arrive souvent sur le plan international, ou voire même beaucoup plus aussi en championnat, parce qu'on peut connaître le nom d'une équipe et ne pas connaître le contenu. Beaucoup plus en Coupe du Cameroun, coach. Quand vous jouez contre une équipe de division amateur, c'est difficile. Non, c'est difficile. Ouais. Mais néanmoins, il faut se focaliser sur son propre jeu et sur les forces que vous décidez. Et là, c'est le coaching du match qui fait la différence. Il faut vite déceler les points faibles de l'adversaire et créer des situations qui vont donner l'avantage à l'équipe. Justement, voilà donc... La compo probable du Coton Sport de Garo. Vous avez remarqué qu'il y a au moins trois interrogations dans la compo probable des supporters de l'équipe du Coton Sport. Qui bien très bon gardien de but qui est resté, ça c'est une force. Chami, effectivement, je l'ai aussi. Chami qui est revenu, qui était parti, qui est revenu. Donc Kemajou, le faux follet, l'attaquant, le buteur maison de l'équipe. Qui est là. C'est un atout majeur même de l'équipe de Bambouchos de Bouda. C'est quelqu'un, s'il est vraiment au top de sa forme, je crois qu'il pourrait réellement aider l'équipe à gagner. Et puis Koupid Mani, qu'on ne présente plus, on sait qu'il va assez vite. Il a une très bonne qualité de dribble. Et puis en termes d'automatisme avec Kemajou, puisqu'ils jouent ensemble depuis, ça peut aussi passer. Donc on peut dire ici que Bambouchos a quand même des angles sur lesquels elle pourrait réellement s'appuyer. Elle était dans sa base à Bargofit. On a rien filtré, mais ça aussi permis aux joueurs de mieux se concentrer, de mieux préparer l'équipe malgré la défaite lors du dernier match de préparation contre le canon de Yaoundé. Mais c'était qu'une rencontre amicale. Donc pour dire ici que Bambouchos a des éléments sur lesquels ils peuvent réellement s'appuyer pour entamer le pion à Coton. Justement, en parlant de qualité de joueur, et puis il y a le deuxième homme, les supporters de Bambouchos qui vont pousser. Et ça aussi c'est un élément à ne pas négliger. Justement, en parlant de cette compo probable, les profils de joueurs, Berthet Bollet, est-ce que vous avez une vente de cette équipe de Bambouchos avec des joueurs comme Alexandre Louquet, Alex Louquet qui est un bon porteur de balle au milieu de terrain, le jeune Biele aussi, et surtout Kemajou, Djoufak comme latéral droit. Oui. Voilà, qui est un ancien et surtout Kemajou qui est le meilleur buteur de l'équipe aussi, faire beaucoup de choses. Et qui est chez les A-Prime aussi, Junior Kemajou. C'est un joueur que j'ai eu chez les U17, c'est un enfant qui aurait dû aller beaucoup plus loin. Mais je crois qu'il y a eu peut-être un ou deux arrêts et puis il s'est stagné un peu. Bon, il a fait une sortie au Maroc, le junior qui est majeur, Oui. Et puis il n'a pas pu s'acclimater. Et dès qu'il est revenu, il fallait qu'il se remette bien psychologiquement. Voilà. Parce qu'après, il est passé par Edding, il est passé par New Stars. Ça ne se passait pas toujours bien. Mais depuis qu'il est arrivé à Bambouchos, et passé aussi pendant l'AP Academy, en troisième division, il a pu se remettre. Et depuis qu'il est revenu à Bambouchos, la saison dernière et cette saison, je crois que tout se passe. La saison dernière, il a marqué plus de 10 buts. Ça veut dire qu'il est bien dans sa tête et sur le terrain, ça suit. Je crois que l'entraîneur pourra aussi apporter son expérience et sa façon de voir. Je crois que comme c'est une finale, on n'attend pas. Il a gagné une finale en 2013. Voilà. Donc, c'est une possibilité pour lui. Voilà, justement, allez, il nous reste, si je ne me trompe pas, à peu près une dizaine de minutes avec nous à l'antenne. Vous avez remarqué qu'il y a des supporters qui ont investi le studio ici à Yaoundé, à cette veille de finale de la Coupe du Cameroun. Nous sommes à moins de temps, à 8 heures de cette finale, et les supporters, surtout
de l'enfant du département, le fils unique, justement, du département de Bamboutos. Ils sont là avec nous, on va les voir justement à l'image. Ils ont fait un peu de bruit, ouais. Ouais. Est-ce que vous pouvez entonner un chant de ralliement, un chant que vous avez chanté lors de la finale de dimanche? Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose? Vous avez préparé quelque chose, des supporters? Le temps de jouer est arrivé. Vous avez compris, les supporters de Bamboutos ont investi le studio. Ceux de Coton Sport disent qu'ils nous attendent lors de l'émission spéciale de dimanche matin. Ce sera à côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. On prendra l'antenne à 9h pour cette dernière émission avant la finale qui se jouera à 15h. Donc, sur Canal 2, dispositif spécial dimanche matin de 9h à 10h30. Toutes les dernières infos seront avec Billy, justement, à l'entrée du stade pour essayer de vous donner les dernières infos et prendre la ferveur autour du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé pour ce dernier match de la saison qui ouvrira peut-être la prochaine saison qui va démarrer le 15 octobre prochain du côté de Yaoundé ou de Douala, mais il y aura le trophée des champions le 12 octobre, bien avant, du côté de Bafoussam, avec toujours Coton Sport Bamboutos pour le vainqueur du championnat et le vainqueur de la Coupe du Cameroun. Alors, on parlait de Bamboutos de Boudin, on va nous remettre le 11 entrant probable de Bamboutos et on parlait justement de ce saut dans l'inconnu pour cette équipe des Mangwa Boys qui est pourtant à la veille de remporter son premier titre de son histoire sur le plan local, peut-être pas international parce qu'il y a un petit titre bizarre qui traîne souvent là, mais vraiment un vrai titre sur le plan local et de s'affirmer enfin depuis 2016 dans le championnat camerounais, bien en Coupe du Cameroun. Billy, il faut entrer dans l'histoire et il faut gagner contre Coton Sport. Oui, c'est une équipe sur qui on a beaucoup d'espoir depuis qu'ils sont remontés en première division. Déjà parce qu'ils ont une très bonne assise populaire. La finale de 2016 leur a fait beaucoup, beaucoup mal parce qu'effectivement, il y a eu quelques soucis au niveau du management. Et sur le stade, cela a eu un impact, ça n'a pas suivi. On parlait d'ailleurs ici du souci qu'il y a eu à la veille, Kekambous qui avait été mis sur le côté. Et quand les joueurs sont arrivés, ça n'a pas suivi. Donc après 2016 en championnat, l'équipe essaie de se battre comme elle peut. Chaque saison, elle met beaucoup d'argent dans le recrutement, mais il faut aussi dire qu'au niveau de l'administration, on ne sait pas toujours qui fait quoi. Un coup, il y a le directeur général qui est débarqué, c'est les problèmes de primes, des salaires impayés, c'est les dirigeants qui se bagarrent entre eux, c'est des communiqués, c'est des contre-communiqués, c'est le préfet, le sous-préfet qui rentre dans la danse. Donc tout cela n'est pas de nature à réellement amener l'équipe à pouvoir mieux presser sur le terrain. Mmh. Voilà que nous sommes à la veille d'une finale de Coupe du Cameroun, et cette fois-ci nous parlons encore d'un très grand nombre de joueurs influents, des cadres qui ont été mis sur la touche. L'équipe a préféré aller se préparer dans une base où elle ne devait avoir accès à personne. On espère que cela va réellement les aider parce que les supporters attendent, ils attendent. Il y a des charters qui ont été mis sur pied. C'est un espoir pour eux de damer le pion à Coton Sport des Garois. Même comme ça ne va pas être facile, ils auraient peut-être voulu avoir un adversaire beaucoup plus abordable. Mais malheureusement, face à eux, il y a Coton Sport des Garois qui veut réaliser le doublé parce que c'est une institution. Et là-bas, il faut absolument tout gagner. Donc, je crois que si ils savent ce qu'il faut, on a parlé de l'entraîneur Doumbé Bosso qui est là. J'ai parlé de Yaro Kuat, le directeur administratif, qui avait déjà perdu une finale lorsqu'il était du côté des Astres de Douala. Cette fois-ci, tout le monde veut la gagner.
Maintenant, il faut mettre les ingrédients qu'il faut pour pouvoir remporter, battre Coton Sport. Sinon, ils rentreront encore dans une très grosse déception. Et vous savez, il y a le championnat qui arrive. Il faut aborder le championnat avec beaucoup de choses positives. Et parmi ces choses positives-là, ça passe par la victoire de dimanche contre Coton Sport de Garonne. Alors, on va faire un saut dans le passé en regardant la dernière finale disputée par le Coton Sport de Garonne. C'était face déjà à l'époque à un club de l'Ouest. Cameroun, c'était la Panthère sportive du Ndé et Coton Sport a été sans pitié pour la Panthère, alors que après l'heure de jeu c'était toujours 0-0, mais le match a décanté dans les 20 dernières minutes. On peut voir justement à l'image grâce à la télévision nationale qui justement retransmet ce match là et il y avait un partenaire de notre ami Sébastien Zanankana, un certain Daouda Kamilou qui est encore dans l'effectif cette saison pour gagner un autre trophée de Coupe du Cameroun, mais il avait déjà été le premier buteur contre la Panthère pour se dire, regardez le but de la tête, c'est lui qui ouvre le score ici. On jouait, je crois, la 73e ou 74e minute de jeu, et c'est lui qui avait donc ouvert le score pour Coton Sport de Garoua. Il y avait Loïc Fedjou dans les cages, mais vous n'étiez plus déjà à Coton. En 2014, c'était déjà parti. J'étais déjà parti, mais je crois que quand je partais, Loïc Fedjou était déjà là. C'est cette saison que vous êtes allé à New Star le Douala, c'est ça? Après New Star, avant de mettre la clé sous le paillasson. Justement, quand on voit ces images justement des supporters de Coton Sport, bon, le président de la République était là à cette finale de 2014. Billy, ça fait quand même chaud au cœur pour voir ces supporters de Coton Sport qui rêvent encore de prendre cet autre titre. Ils ont toujours poussé leur équipe. Ils ont toujours été là, à chaque finale de Coupe du Cameroun, en match de championnat, en match de coupe, Ils ont toujours poussé leur équipe et je sais qu'ils seront là dimanche et en espérant aussi qu'ils ne seront pas déçus. Donc tout le monde veut gagner. Maintenant, il faut faire avec tous les moyens qu'on a. C'est pas une affaire de David contre Goliath, comme j'ai entendu dire quelque part. Bambuto, ça a réellement les armes. Coton Sport a aussi les armes. Peut-être que Coton Sport a plus de qualité au niveau de son effectif, au niveau de l'automatisme, au niveau de la valeur intrinsèque des joueurs. Mais Bambuto, ça a aussi beaucoup de choses à mettre. Coton Sport est pour l'instant la troisième équipe la plus titrée de la compétition, la Coupe du Cameroun. Je rappelle, l'équipe la plus titrée, c'est Canon et Yaoundé avec 11 titres de vainqueur à la Coupe du Cameroun. Vous avez contribué à ce titre de Coupe du Cameroun du Canon Yaoundé, justement, en tant que joueur à l'époque. Union Douala suit avec 6 titres. Et Coton Sport, maintenant 6 titres. Coton Sport, l'occasion de passer seul deuxième dans la hiérarchie des équipes ayant remporté la Coupe du Cameroun avec un 7e trophée qui pourrait les installer juste derrière le Canon Yaoundé. On rappelle qu'en championnat, Coton a déjà largement dépassé le Canon Yaoundé en termes de titres de champion. Il y a aussi réellement cet enjeu aussi à suivre, de passer 12e équipe en Coupe du Cameroun, le meilleur palmarès derrière le Canon Yaoundé, se débarrasser de l'Union Douala qui n'a plus joué de finale depuis, je crois, 2012. Des finales de Coupe du Cameroun ou 2011 par là. Bien avant. 2009, je crois. Oui, bien avant. Je pense que les deux équipes, nous lisons beaucoup d'enthousiasme. Chacun veut aller prendre ce trophée entre les mains d'un dirigeant qui va certainement présider cette finale. Je pense que Coton a des âmes, mais je pense qu'il faut faire très attention avec Bambuto, qui a une envie très. Ça va être vraiment quelque chose de grande récompense pour cette équipe qui se sacrifie tout le temps pour notre football. Alors Billy, il y a aussi ces stats. Ces dernières années, ce sont les jeunes équipes qui ont gagné la Coupe du Cameroun, qui ont découvert pour la première fois, qui ont gagné pour la première fois ce titre. Est-ce que Bambuto peut s'inscrire dans cette lignée? Je tiens à rappeler des équipes comme New Star de Douala, Edisport de la Léquie, Stade Renard de Mélan, puis Pidabudi de Bamenda viennent de remporter coup sur coup cette Coupe du Cameroun. Aucun ancien Coton Sport est peut-être le dernier ancien qui pourrait gagner ce trophée, alors que sur les 3-4 dernières éditions, ce n'est que des nouvelles équipes qui se sont inscrites au palmarès. Est-ce que Bambuto peut suivre le chemin tracé par les autres PWD, Edding, New Star de Douala? Bien évidemment, bien évidemment. La stade qui voudrait que ce soit toujours les anciennes équipes qui remportent la finale de la Coupe du Cameroun,
il peut arriver qu'elle ne se réalise pas et que ce soit Bambutos qui remporte cette finale. Surtout qu'ils ont ils ont vraiment envie. Après, je crois qu'après 2016, il y a une sorte de revanche qu'il veut réellement prendre. Et voilà, attendons de voir ce que ça va donner. D'accord. C'est de voir. Oui, un mot, rapidement. Je parlais beaucoup plus du coach. Ils ont un coach vraiment très expérimenté et qui est habitué à ces gens. Doumbé Bosso. Donc je crois que c'est aussi une bonne cartouche pour eux. Ouais, c'est pas négligeable, c'est aussi le dieu des entraîneurs. Même si à Bambutos, Doumbé Bosso un peu technique, la casquette désormais de directeur technique et qu'il a Inangassa, mais ce n'est pas à négliger. Et côté Coton, Aman Gabriel, c'est vraiment un dieu de la vieille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de Gabriel Aman? Est-ce que c'est l'âme du Coton Sport de Garoua? Chaque fois, il est appelé à la rescousse et à chaque fois, ça marche, littéralement. Oui, je dirais que c'est même le cœur de cette équipe. Je me souviens encore entre 2006 jusqu'à la finale de 2008. La présence de Aman Gabriel est toujours là, donc c'est quelqu'un qui connaît bien la maison. Il a son petit nom qu'on lui a donné, l'éternel adjoint. Oui, non, il fait bien son boulot et je crois que là, il reçoit une très belle récompense, arriver à redresser cette équipe jusqu'à gagner le titre de champion du Cameroun. Le voilà en finale. C'est une très belle récompense pour lui. Je crois qu'il le mérite très bien. Mais Marc, je pense que c'est Agnès Agbor qui a été recruté. Il est comme adjoint à Coton Sport de Garoua, aux côtés de Gabriel Aman. Non, Gabriel Aman est le titulaire. Il est passé c'est Agbor qui est. C'est le nom de Agbor. Oui, qui est sur l'affiche. La CAF, oui, sur l'affiche. Oui, mais c'est Aman qui continue. Donc c'est un recrutement stratégique qui a été fait. En termes de diplôme, puisque Gabriel Aman n'a pas. Agbor a été recruté, je crois, par rapport à la qualification. Oui, oui, par rapport à la oui, par rapport à la compétition CAF. Par rapport à la compétition CAF. Mais c'est Gabriel Aman qui gère l'équipe. Ce sont des tactiques qu'on utilise souvent pour. Il y a aussi un comparable. Il y a le coach Ngoumou, François. Oui, qui est consultant. Consultant. Il est passé déjà entraîneur adjoint. Entraîneur adjoint aussi. De l'équipe. Je crois que tous ces renforts ont porté un plus au sein du Coton Sport de Garoua. Alors, il reste 2 minutes. On va se jeter. Regardons encore. La compo de Coton Sport probable et celle de Bambutos, on va regarder les deux compos et vous nous dites sur le plateau comment est-ce que vous voyez cette finale. Vous pouvez vous mouiller en termes de pronostic pour la finale de dimanche, Billy. Si vous voulez, Coton Sport, favori. Je ne suis pas très bon en pronostic. Ou 50-50. Favori ou 50-50 pour Coton? 50-50. Vous trouvez vraiment que c'est du 50-50 pour cette finale? C'est derrière moi, j'ai. Vous avez peur de supporter Bambutos. Sébastien de l'Internat, c'est vrai que le cœur passe pour Coton Sport, mais sur le terrain, est-ce que Coton est vraiment favori là pour cette finale? Favori, oui, mais pour moi, je dirais que le meilleur gagne. D'accord. Coach, comme technicien, sur la qualité de jeu, est-ce que ces équipes peuvent nous offrir une finale de qualité? C'est le thème justement de ce soir, avec tout ce qu'on a pu dire, les incertitudes et autres. Est-ce que sur le terrain, on peut avoir un match plaisant à regarder comme la finale des playoffs à Garoua? Non, c'est le souhait que j'ai même pour les deux équipes. Vraiment que le public rentre satisfait d'une finale digne vraiment de ce nom et que le football revive comme il y a 30 ans, 40 ans, qu'on retrouve vraiment les lettres de noblesse de notre football. Allez, on va sortir par ce tour de la ville. Tout à l'heure, qu'on a pu avoir des supporters des deux équipes, Coton et Bambutos, toutes deux villes dans la capitale Yaoundé, capitale qui accueille donc cette autre édition de la finale de la Coupe du Cameroun entre Bambutos de Bouda et Coton Sport de Garoua. Match prévu à 15h dimanche prochain, mais n'oubliez pas, dimanche à 9h, émission spéciale en direct du stade Omnisports Madouaï Diop pour revenir justement sur les dernières actus autour de cette finale. Regardons cet élément et on sort par là dans ce débrief de ce soir.
nous sommes sereins. International.